à la fin d'un traitement, que ce soit une zalingue ou de broche, il faut retenir les dents. Les dents ont une mémoire, ils peuvent retourner où est-ce qu'elles étaient. Une dentition va bouger. Tant qu'on va vivant, une dentition a le potentiel de bouger. On a pensé auparavant que les dents de sagesse faisaient bouger les dents vers l'âge de 18 ans, mais finalement, les recherches nous ont montré que c'était pire qu'on pensait. Les dents sont capables de bouger par elles-mêmes. Alors, il faut absolument les retenir dans une position idéale si on veut les garder dans une position idéale. Donc, à la fin d'un traitement, il existe essentiellement trois techniques pour retenir les dents, soit l'appareil amovible qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, ce qu'on appelle l'appareil de Holly, qui est un appareil d'expansion qu'on enlève, qui est un peu encombrant, mais qui a quand même encore certains avantages. Soit qu'on mette un fil qui est collé derrière les dents, ce qu'on appelle un fil lingual fixe en arrière, ou soit une gouttière transparente, qui est pour moi la rétention la plus appréciée des patients. Donc, souvent, le fil nous est demandé. C'est quand même une belle forme de rétention. Le problème avec ça, c'est que c'est difficile à nettoyer parce qu'on n'est pas capable de faire la soie dentaire, donc ça prend une technique particulière à nettoyer. La nourriture a tendance à se prendre un peu dans le fil, donc c'est beaucoup plus d'entretien. Il y a une fragilité aussi. Le fil est petit, on est obligé de garder un mouvement minimum des dents. Souvent, le fil peut être déformé, ce qui va faire en sorte que les dents vont se déplacer. Donc, quand on décide d'opter pour ce genre de rétention-là, on opte aussi pour un appareil par-dessus comme ça. L'appareil par-dessus, moi, je trouve intéressant. La raison, qu'il soit combiné avec un fil ou seul, la raison, c'est que c'est le seul appareil qui va recouvrir toutes les dents. En recouvrant les dents, on va en même temps éliminer l'usure des dents durant la nuit. Donc, on va user cet appareil-là, l'usine aux dents. On se rend compte qu'il y en a de plus en plus. Et les études nous montrent que l'usure des dents, en gros, pourrait être la moitié jusqu'aux deux tiers qui va se produire durant la nuit. Donc, c'est beaucoup plus facile de remplacer un appareil usé que de remplacer les dents qui vont être usées. Un autre point intéressant, quand on met par-dessus un fil, si le fil se déforme, par exemple, soit par lui-même, parce qu'il y a un mouvement de torsade de dents, ou parce qu'on l'a déformé avec un aliment dur comme une carotte ou une pomme dure, par exemple, bien, à ce moment-là, les dents vont se mettre à se déplacer et visuellement, quand on l'aura vu, il va être trop tard, ça va être déplacé. Donc, si on a cet appareil-là par-dessus, l'appareil va le détecter avant notre œil. Donc, si, par exemple, cette dent-là se met à se déplacer, elle va faire une pression dans la coquille qui va être ressentie, puis à ce moment-là, on aura le temps de réagir. Autre fait intéressant, c'est que si le fil est déformé, on l'enlève, on remet l'appareil et ça replace les dents au bon endroit, donc ça devient une situation qui est simple. Si on a seulement le fil et qu'il se déforme et qu'on arrive avec une dent qui s'est déplacée, malheureusement, il faut retraiter pour remettre la dent en bonne position. Donc, moi, personnellement, ici, on a toujours opté pour deux rétentions à nos patients, c'est-à-dire que si on a un fil, il y a toujours ça par-dessus. S'il n'y a pas de fil, on met deux appareils comme ça de façon à ce que le patient ait vraiment une solution de rechange s'il le perd, s'il le brise ou peu importe. À ce moment-là, on va être capable d'avoir une solution de rechange.